Alors, bonjour tout le monde, Yvan Desjardins, Cookie Monster Online. Je vais faire aujourd'hui un draft 8-4 de Out of the Gatewatch. Alors, le format tire à sa fin. Il n'y a pas grand-chose d'autre d'intéressant à faire. Honnêtement, je voulais faire une vidéo de standard, mais j'ai pas vraiment le goût de monter un deck pour un format qui va changer d'ici quelques semaines. Donc, je vais faire un petit dernier draft là, pour m'amuser un peu avec ça, un format que plusieurs d'entre vous ont joué énormément. Moi, je l'ai quand même joué pas mal. On va essayer de voir si on est capable de faire quelque chose de bon pour un dernier coup là-dedans. Pour le reste, pour ceux qui ont déjà regardé les previews des cartes, tout ce que j'aurais à dire, c'est on est rendu présentement le mardi, le 15. On vient d'avoir la nouvelle Planeswalker qui est Werewolf qui se transforme. Et à ce moment-ci, je suis très excité des cartes qui sortent. Ça m'intéresse beaucoup. Le flavor est écœurant. C'est vraiment génial le flavor. J'ai vraiment hâte de voir les cartes en jeu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très potables. Je pense que ça va être un nouveau format très intéressant. Pour l'instant, on se concentrait plus sur le draft. Alors, encore une fois, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, j'essaie de me pratiquer et de faire l'effort de ne pas me marier à ma première couleur et essayer de lire le draft le mieux possible. Je pense que c'est une des choses que j'ai personnellement besoin de travailler beaucoup. Alors, vous êtes toujours bienvenue dans les commentaires, d'ajouter des commentaires, de me dire ce que vous pensez que j'ai manqué, ce que vous avez vu, des choix différents. C'est toujours intéressant de discuter de vos opinions ou même de voir et d'apprendre des choses que j'ai pas vues. Donc, il nous manque juste un joueur, ça devrait pas être très long. Et voilà. Alors, est-ce que je vais être chanceux et ouvrir quelque chose d'excellent? Ouh! Deceiver of Forms. Carte très intéressante, qui peut être très abusive. N'importe quelle créature peut être révélée. Ça n'a pas besoin d'être du colorless. Juste colorless pour le caster. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le pack? Seed Guardian n'est pas mauvais. Tort Harvester, je déteste pas non plus. Affair Protector pour le deck blanc noir. Crawler's l'accélération, c'est bon. Ça, c'est pas mauvais. Lagak est bon. Il y a du bon stock. Je vais essayer le Deceiver parce que je vais voir si je suis capable de bâtir un deck autour de lui en l'ayant en tout premier. Donc, un deck avec. J'imagine avec beaucoup de créatures, dont certaines qui sont très grosses. Sinon, c'est quand même une 8-8 pour 7, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Ensuite, Cliffhaven, Pathwarden. Cliffhaven est vraiment une bonne carte. Pour le. Si, ouais, dans le cas où j'ai réussi à faire le deck blanc-noir. Sinon, c'est pas génial. Containment Membrane, c'est pas mauvais, c'est intéressant. Nissa's Judgment est définitivement une bonne carte. En plus, dans le vert, c'est une bonne couleur à aller pour avoir des choses à faire avec les Deceiver. C'est ce qui m'intéresse le plus jusqu'à date. Je déteste pas le Flare Drone, je vais pas me commettre à ces deux couleurs-là tout de suite. Morph Kozilek, c'est bon. Pulse Pathwarden. Si je prends du vert, j'aime mieux prendre Nissa's Judgment. Tout simplement parce que c'est une excellente Uncommon. C'est un excellent Removal. Je pense que ça va être ça. Bon, je passe Pathwarden à gauche, c'est dommage. Qu'est-ce que je passe à gauche d'ailleurs? Bonne carte bleue, bonne carte rouge. Les cartes gold. Ensuite de ça. Vile Redeemer. Qui peut être soit un 3-3 flash ou un 3-3 avec une 1-1 pour 4. Donc, il donne deux options. C'est pas mauvais. Ça fait des bodies pour le Deceiver. Essence Depleter. Ça, c'est tentant, par exemple. Très, très bonne carte avec du colorless. Sinon, qu'est-ce qu'il y a de bon? Encore un Containment Membrane. Expedition. Sightmaster. Rien d'hallucinant. Il y a des bonnes cartes, mais il n'y a rien de. Non, c'est définitivement ces deux-là qui m'intéressent le plus. Je peux aller dans le noir. Cette carte-là, si je colore là, c'est bonne. Celle-là, je sais que j'aimerais ça de l'avoir dans mon deck.
Depleter est jamais mauvais. C'est sûr que l'idéal, c'est dans un deck défensif où est-ce qu'on peut pomper plein de mana dedans. Parce que Depleter est plus fort. Mais j'ai pas le goût de me commettre dans une demi-zone couleur. Juste pour ça, j'ai pas vu de noir encore. C'est peut-être un signal. Ah, Depleter. Juste pour la puissance de la carte. Je vais me risquer. Je pense pas que je perds grand-chose dans l'autre carte non plus. C'était une bonne carte, mais je pense que le Depleter est assez meilleur pour que ça vaille la peine de le prendre. Alors, Shrieker, c'est pas mauvais, pas en tout. Netcaster Spider, Lagak. Lagak est... Oh! Ouais. Lagak est une bonne carte, tout de même, mais Oblivion Strike, c'est, je crois, un signal noir. En quatrième pick, je pense que je peux dire que le noir a des bonnes chances d'être open, sinon... Ça signifie que les gens à ma droite ont ouvert énormément de bonnes cartes noires. Donc, je pense que je vais prendre le signal. Je suis même pas sûr que je suis vert encore. Mais j'ai deux belles cartes noires. Regardez qu'est-ce qu'il y a d'autre. Blanc est pas hallucinant, mais plein de cartes qui peuvent être bonnes dans le deck de la live. Je reçois encore du vert. C'est pas mauvais ces cartes-là. Lagak est très bon. Je reçois pas de rouge. Pas vraiment de bleu pour l'instant. Pas dans ce pack-là, du moins. Alors, maintenant. Ça c'est correct. Ça c'est bon. C'est très bon même. J'ai reçu un peu de bleu dans les deux premiers packs. Les deux autres c'était moyen. Dazzling Reflection n'est pas mauvais, mais j'ai pas reçu tant de blanc que ça. Je pense que c'est entre Lagak puis le Blinding Drone ou le Holdout Settlement. J'ai quand même une, deux cartes qui veulent du colorless. Je devrais prioriser les lands. Holdout Settlement est pas la meilleure, mais une des bonnes parce qu'elle permet de faire de la couleur. Blinding Drone, j'ai pas vu tant de bleu que ça, fait que je veux pas comme me lancer tout de suite là-dedans. C'est dans ces deux-là. Lagak ou du colorless. Ah, je veux pas me faire avoir les. Je veux pas me faire pogner les culottes baissées, pas de colorless. Lagak est meilleur dans le deck blanc-vert. Pas que c'est mauvais. Translator, c'est génial avec le noir que j'ai là. C'est du noir, donc je le coupe à ma gauche. Pathwarden est tentant. Settlement aussi, mais là je vais quand même pas les prioriser. Je suis pas rendu à ce point-là. Le but en fait c'est d'en prendre tôt pour ne pas être obligé de les prioriser à la fin au-dessus de bonne carte. Lui va me donner de la mana pour lui, va m'accélérer dans le Deceiver. Je vais passer de 5 à 7 potentiellement directement. C'est un très bon body pour bloquer. Je préfère lui au Pathwarden. Mais là il faut que je considère que j'ai envoyé beaucoup de verre à ma gauche, donc je vais peut-être être limité dans le verre. Ça peut rester une deuxième couleur, mais. Ça va être plus difficile comme couleur principale. Même si j'en reçois encore beaucoup. Là, je pense que j'ai un choix. Le troll. Mais correct. Je l'avais joué dans l'autre draft. J'avais pas trippé dessus. J'ai entendu des gens me dire qu'ils l'aimaient. Shrieker. Très bonne carte. Colorless. Je pourrais être noir et colorless rendu là. Avec un petit splash de vert. Je reçois pas de blanc, pas de rouge. Donc, je pense que je peux mettre une croix là-dessus. À moins que on voit quelque chose d'autre de la gauche. Quelques Blinding Drones, c'était peut-être un signal, je sais pas, c'était peut-être un peu open. Je pense que je suis mieux avec le Shrieker. Je peux le pomper, je peux en faire quelque chose de dangereux, ça rentre dans ma thématique de colorless, donc les lands deviennent encore plus importantes. Seer's Lantern, tant qu'à avoir de l'accélération. Je pourrais aller avec le Waste. Le Waste va donner de la valeur au Evolving Wilds dans le pack 3, ce qui est intéressant, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Endurance, c'est pas mauvais comme trick, mais c'est tôt pour en prendre un. J'aime le Seer's Lantern. Si je veux un deck un petit peu lent, un petit peu plus lent, un petit peu plus défensif, Seer's Lantern est vraiment bien. Ouais, je vais prendre un Seer's Lantern. Je suis pas sûr si c'est le pick, honnêtement. Il y a peut-être quelque chose de mieux. Mon pack qui revient, c'est bien mon pack, ouais. C'est Guardian. Ouf, là j'ai un choix. J'ai passé quand même pas mal de verre à ma gauche, donc je vais peut-être me le faire couper. Kozilek Translator, je suis pas mal sûr que je le veux. Si je passe un Seed Guardian, je suis sûr que je me fais couper le verre à gauche, ou en tout cas. Ça veut dire que je vais ramasser soit une autre couleur, soit le verre que je suis capable de ramasser. Mais je pense que je vais aller vers ça. J'ai tellement passé de Lagak à gauche. J'ai pas énormément de créatures. Ouais, je vais essayer de bâtir quelque chose de. Bon, là. Les nerfs quand même. Je vais en laisser passer, mais je vais m'en prendre. Quoique, il est haut dans la curve. C'est vrai qu'il est haut dans la curve. Et ironiquement, j'ai parlé du bleu tantôt, mais c'est pas nécessairement mauvais ça dans un deck comme ça.
Si je veux un deck qui descend des plis, qui serait à Deceiver. Ouais. Je suis vraiment pas convaincu de ce pick-là, mais je crois que je vais essayer d'aller noir-bleu un peu plus. Ah, mon Dieu. Absat. Je commence à remettre en question mon choix parce que je me dis que peut-être que les cartes vertes ont fait le tour et qu'elles ont été ignorées tout le long. Donc je pense que je vais essayer de rester entre les deux couleurs puis pas me commettre à une deuxième couleur encore, prendre la meilleure d'un deux, qui est à mon avis Vial Redeemer, qui est rapide. Là, c'est le Waste définitivement. Ici, entre les deux, celle-là, ça se peut que je l'utilise. Je vais la mettre tout de suite dans le side. Bon. Ah, tant qu'à ça. Alors, je suis sûr que je suis dans le noir. Je veux rester dans le noir. Vert, bleu sont des quatre couleurs potentielles. La deuxième couleur, j'ai vraiment pas vu de blanc et de rouge de ma droite, donc faudrait quelque chose d'hallucinant dans mes first picks ou que je me fasse passer pour avoir le goût d'aller splasher dans ces deux couleurs-là, dans le blanc et dans le rouge. Ancient Crab, c'est quand même deux couleurs. C'est juste que le Path Warden est un petit peu haut dans la curve. Ce qui a fait que j'étais pas convaincu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Corrupted Crossroads, Belland. Ça irait bien avec ce que j'ai, mais quand même. Reflector Mage, bonne carte, mais c'est définitivement pas dans mes couleurs. Je veux pas splasher du blanc en plus d'aller dans une couleur que je suis pas certain. Containment Membrane. Si je vais aller vers le bleu. Il n'y a rien de bon dans le noir. Wesh. Il n'y a vraiment rien de bon dans le noir. All de Lagax. Il y a énormément de Lagax dans ces packs-là. Mais je vais prendre. Je vais prendre la carte bleue. J'ai dit que je n'étais pas sûr de ma deuxième couleur. Je continue tranquillement à laisser mes options ouvertes dans les deux. Il va falloir que je fasse un choix bientôt. Belland Colorless, mais je vais y aller avec le Containment Membrane. Quoique, je dis ça parce que je me presse pour faire un choix, mais Corrupted, mais dans toutes mes couleurs, pour presque toutes mes créatures, j'ai plein de créatures Colorless. J'ai aucune créature dans les autres. Je pense que le Membrane est plus fort. Je suis capable d'aller chercher d'autres cartes. C'est une bonne carte, Membrane. Seagate Wreckage, Slaughter Drone, qui je pense va être le pick ici. Les deux drops potables qui ne sont pas des 2-2 sans aucun power sont difficiles à pogner dans ce format-là. Une 2-2 qui est capable de trader avec n'importe quoi, de tuer n'importe quelle créature, c'est extrêmement bon. Même si j'aime beaucoup Seagate Wreckage, au cas où je vide ma main. Une autre Seer's Lantern. La deuxième Seer's Lantern est beaucoup moins intéressante que la première, à mon avis. Bon, je ne dis pas que je cracherais sur deux, mais je capote pas sur deux. Encore des Pathwarden. Donc, je reçois du vert de la gauche. Bon, pas trop le prendre comme un signal, c'est le premier pick. Mais je vais prendre Slaughter Drone, ça c'est sûr. Oh boy. Glaidar Cavalry. Ça, c'est une carte assez intéressante si j'ai beaucoup de créatures. C'est quand même une 6-6 pour 7. C'est définitivement pas mauvais, je la déteste pas. La réserver. Kozilek Translator, Oblivion Strike. Non. Non, je pense que le Glaidar t'es pas assez bon à mon avis et surtout est très tard dans la partie pour que je passe un Oblivion Strike. Surtout pas, je veux surtout pas passer un Oblivion Strike à ma droite. Je veux que je continue à recevoir du noir. C'est définitivement ma couleur principale, 2 Oblivion Strike. Intéressant, j'ai 8 créatures. Suite de ça, Vampire Envoy. C'est cute, mais c'est pas où à son mieux dans le deck que j'ai présentement. Je pense que le Crawler est le meilleur pick. Ouais. Endro Alignment. Ça me tente pas de faire des decks funny aujourd'hui, je vais pas essayer de pogner les 4. Relief Captain. Bonne carte, mais j'ai dit que je ne l'ai pas là en ce couleur-là. Je me doute que à droite, il y a des gens qui l'y sont. Of Kozilek, c'est une belle carte aussi. Je reçois pas beaucoup de. Mon Dieu. Bon, j'ai reçu l'Oblivion. C'est peut-être un pack qui était faible. Vampire, c'est pas mauvais comme noir, mais définitivement Drunk Call. C'est de la mana colorless, c'est de l'accélération, ça fait tout ce que je veux dans le deck. Bon. Bailout Null. Ah ça, par exemple, je pense que ça vient de me fixer dans mon verre, même si ce n'est qu'un splash. Bailout Null est une carte absolument. Je vais dire brisée, oui. J'hésitais à dire brisée, mais c'est brisée. C'est extrêmement fort, au minimum.
Belle récompense pour avoir été patient. J'ai quand même deux bonnes cartes vertes. J'ai tellement de cartes que j'ai pas besoin de prendre beaucoup de verres. À moins que je reçoive quelque chose de vraiment impressionnant dans le bleu, je pense que mon choix est fait. Donc on continue à rester ouvert. C'est là que je reçois la land. River Drone, je n'aime pas du tout cette carte. Tar Snare, c'est pas génial. Ça reste un removal, ça reste dans mes couleurs. J'ai pas de raison pour aller nulle part ailleurs. Natural State, pas grand-chose à détruire. Ça peut être cute en début de game, tour 2, tuer la créature, mais ça fait pas grand-chose d'autre. Je vais prendre le Tar Snare. Au pire, si je le joue pas, ça veut dire que j'ai un bon deck. Je la porte, j'ai pas assez d'allies. En fait, est-ce que j'ai des allies? Je crois que j'ai zéro allies. C'est vraiment pas ce deck-là que je suis en train de monter. Ici, j'ai deux choix parce que Warping Whale, c'est pas génial, je trouve, en draft. Exile une créature avec un power de 1 ou moins. C'est bon pour les Jace, mais il n'y en a pas. Counter Sorcery, mettre une 1-1, non. Netcaster et Slaughter Drone, je pense que je vais prendre le Slaughter Drone. Comme j'ai dit tantôt, mon expérience m'a appris que les drops sont très difficiles à obtenir. J'ai déjà une, deux, trois drops. Donc je vais balancer avec ça. Et là, en faisant ça, je me dis que j'ai vraiment besoin de land. Donc, dès que j'ai un pick comme celui-là, Tar Snare est bien. Reflector Mage encore, mais il a fait le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas mon pack. Non, c'est pas mon pack original, ça. Oh. Donc, il a pas fait le tour, mais Unknown Shores, définitivement. Puis c'est celle que je préfère aussi parce qu'elle utilise d'autres lands pour faire de la mana. Donc, au lieu d'utiliser des créatures comme le Hold Out, que si t'as pas de créatures, tu peux pas faire de couleur. Donc, Unknown Shores. Ensuite de ça. Proof Indestructible, c'est très pointu et pas très utilisable. Pas grand chose que je veux là-dedans. J'ai presque le goût de prendre de la laine, juste pour prendre de la laine. Alpha Protector, ça serait pas très achalant pour mon deck à jouer contre. Mighty Leap, j'ai pas beaucoup de flying, c'est peut-être achalant. Natural State plus sideboard, à la limite. Bon, on va y aller pour la carte de sideboard limite. Mais je vais la mettre dans le sideboard directement. Ouf. La carte que je veux le moins jouer contre ici, parce que, bah, top, Course Turn. On va la relire. Put drop three cards, library, then return a creature card from your graveyard to your hand. Je pense que c'est actuellement. J'ai pensé, mon premier réflexe ça a été de counterpick ça, d'enlever à quelqu'un, mais je vais prendre lui, en sideboard. Si lui ramène le Bail Arthnull, la valeur que je vais gagner va être absolument aberrante. Bon, là, il y a vraiment définitivement rien pour mon deck. C'est entre ces deux cartes-là, le Two Space m'impressionne pas tant que ça, à part pour le deck bleu rouge, que j'ai pas vu beaucoup de cartes du deck. Dazzling. Un autre Dazzling. J'aime vraiment pas Untamed Hunger. Les cartes qui font du 2 pour 1, je veux qu'elles soient plus puissantes que ça. Witness. Je vais la mettre dans le sideboard. Negate. La land. Alors, j'ai 10 créatures après 2 packs. J'ai déjà 18 moins 3, j'ai déjà 15 cartes jouables dans mon deck. Ce qui est à peu près. qui est à peu près correct. Alors, encore une fois, Felidar Sovereign dans mon troisième pack. Cette fois-ci, je ne vais pas le considérer. Dernier draft, pour ceux qui ont vu mon autre draft que j'avais publié, j'aurais dû le prendre. J'ai hésité, je ne l'ai pas pris. Là, je suis définitivement convaincu que c'est pas la carte ici. Qu'est-ce que j'ai? Le Gnarled. Lui. Rising Miasma, moins 2, moins 2. Damping Pulse, Sunken Hollow. Pour la value. Pour la land, honnêtement, le pack me fait pas triper. Pratiquement rien. Il y a lui, Sunken Hollow, est-ce que ça vaut de quoi? Bon, c'est une landfoil. Je crois qu'il m'en manque. Je vais être franc, là, je pense que mon choix, ça va être la prendre tout simplement parce qu'elle va m'être utile peut-être en construit. Tandis que le Gnarled serait limite jouable. Oui, il serait jouable. Ça serait un de ces deux-là. Si je faisais un pick sérieux, ce serait un de ces deux-là. Pour la value potentielle, je vais aller chercher ça. C'est quand même intéressant. En compétition, définitivement, ça sera ces deux cartes-là. Et bon, je peux la garder pour splasher du bleu, mais je ne crois pas. Grip of Desolation. Excellente carte. Bon removal qui va bien avec l'Oblivion Strike.
Je pense que ça va être le pic, mais sinon j'ai rien qui me tente d'aller vers le bleu. Skimmer, qui est une carte correcte, ça serait un bon 4 drop, ça irait bien dans la curve, mais Grip of Desolation, qui exile une créature et une land, c'est quand même bien, c'est pas super. Pas excellent. Je dis, des fois, la land, ça sert pas à grand chose, des fois, c'est bon pour ralentir l'adversaire. Le fait que ça soit instant, c'est ce qui la rend bonne, je crois. Evolving Wilds, qui est une source de colorless, puisque j'ai une waste, c'est un bon choix. Sinon, j'ai encore 10 créatures, faut pas que je néglige les créatures. Mais qu'est-ce que j'ai dans ce pack-là? J'ai la Nirkana Assassin. J'ai pas de life gain, donc il est très médiocre. Natural Aggression, qui est un removal, donc j'ai le choix entre un removal et un fixing. J'ai juste 3 sources de colorless, 4 sources de colorless, 5, 6 sources de colorless. Tout de même, j'ai juste 6 sources. J'aime ça, c'est du fixing pour les 3 couleurs, mais. Natural Aggression, c'est mes créatures qui vont attaquer par contre, j'ai pas des créatures qui ont des powers énormes. Je pense que c'est ce qui va décider entre les deux. À part avec le Deceiver. Pas des créatures qui ont des powers énormes, et d'ailleurs, j'ai pas grand chose d'extraordinaire à pogner avec le Deceiver. Ça, c'est un petit peu désolant. Je vais prendre ça ici. Lamox Nullifier, c'est le counter spell, ça. Splasher sur ça et un Evolving Wilds, peut-être. Ça, c'est à considérer. Il y a lui qui va me fixer, qui va m'accélérer, qui va me donner deux de mes trois couleurs. Non, il faut vraiment que je prenne des créatures. Woodland Wanderer, qui va être une 4-4 vigilance. Si je mets la land puis une île, peut-être une 5-5. C'est intéressant, puis ça va à 4. Sauf que ça marche très mal avec le Deceiver. Ouais. Ouais, on la voit sur le top, c'est juste une 2-2, c'est pas écœurant. Le druide. J'ai aucune 4 drop, c'est ce qui va le décider définitivement. Une 4-4 trample pour 4, c'est pas mauvais. Je crois. Ok. Dominator Drone. Ou Slitherskin. Can't block. Regenerate si j'ai des créatures colorless. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très agressif par contre, ça va pas vraiment dans le sens de mon deck. Présentement, beaucoup de créatures défensives. Une créature qui draine, un gros finisher, gros body ici. En fait, je regarde le deck puis je pense qu'il manque un peu de punch. Ça pourrait être le punch qui me manque. Ça régénère, ça attaque sans arrêt, c'est bon à révéler sur ça. Bah, c'est correct. Copies of that card. Donc, si c'est des copies de la carte, elles ont regenerate. Oui, ça va être le Slitherskin. Dominator Drone n'est pas un mauvais choix. J'ai le removal, j'ai juste deux créatures, c'est désolant. Cette créature-là, je ne gagne pas de vie, ce n'est qu'une 3-3 pour 4, qui ne montera jamais. Blister Pod à 1. T'as un body pour ça. Ça, c'est bon contre moi, pas pour moi. Ouais. C'est jamais mauvais. Unnatural aggression. J'ai des bons removals. C'est pas génial, comme j'ai dit tantôt, j'ai pas des créatures extrêmement fortes, quoique je peux donner de touch à lui. Unnatural aggression. Devastator. Avec le Deceiver, je vais prendre le Devastator, puis ça va me donner ce que je viens de dire, qui est le punch qui me manque pour la fin de la game. Bonne créature, 8-9 Trample, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Je suis pas mécontent, j'ai beaucoup d'accélérateurs. Un des Drone Crawler, deux Kozilek. Sears Lantern. Quand même pas mal d'accélérateurs. La question maintenant est, est-ce que je veux un deuxième Devastator? Ça commence à être raide sur une courbe. Ça commence à être une courbe assez raide, mais je viens de dire que j'ai une, deux, trois, quatre accélérateurs. J'en ai à tous les coups. J'ai un deck qui peut bien ralentir une partie, à part le Slitherskin. Lui, il peut être assez gros, moins 4-4. J'ai beaucoup de removal. J'aime mieux ça que les deux, les autres options. Je vais le considérer quand je bâtirai le deck. Une land ou un.
créature moyenne. Menace Landfall. Je pense pas que je la jouerais, honnêtement. Donc si je la joue pas, même à 14 créatures. 14 créatures, 22 cartes. Je peux rentrer. Le Witness serait quasiment mieux dans le deck. Rentrer Plummet. C'est peut-être pas le bon choix ici. Eyeless Watcher va être le choix. Parce que je manque de créatures, parce que c'est bon avec le Deceiver, parce que ça accélère, parce que j'ai rajouté des Eldrazi. Infuse, c'est définitivement pas mon deck, le deck de Converge. Une carte qui manque. Qu'est-ce que je voudrais? Un accélérateur ou. Creature land, rest on the bottom. Celle-là, j'aimerais pas ça jouer contre. C'est quand même pas mauvais. Alter's Reap. Je pense pas jouer ça. Cloud Manta. Et voilà. Alors. Tout de même, c'est un deck que je trouve intéressant. Je pense que j'ai des bonnes cartes. J'ai beaucoup de removal. Est-ce que ça va fonctionner? Bonne question. J'ai 4 lands colorless. Bon, on va commencer par. Group. Il est ici. Group creatures separately. Voir la courbe de créatures. Alors, des accélérateurs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 accélérateurs pour un deck qui a 4 cartes à CC+. Donc, c'est vraiment pas trop. Fait que je considère si je veux jouer 17 ou 18 lands. 1, 2, 3, 4, potentiellement 5, 6 removal. Ces deux-là, j'aime les considérer comme du removal plus tard parce que techniquement du pseudo-removal, disons, parce que ça peut tuer des créatures. J'ai deux créatures assez offensives. Lui, bon, il risque de se faire tuer, mais il peut amener deux créatures avec lui parce qu'il y a menace quand on pompe. Lui, parce qu'il est bien achalant, il faudrait qu'il y ait une créature à 5 de toughness pour pouvoir le bloquer impunément. Mais il peut pas bloquer, ça peut être un défaut. Contre un Kozilek Translator, par exemple, il fait pas grand-chose. Mes conditions de victoire, c'est lui qui va me donner de l'avantage. Mes trois créatures ici, qui vont vraiment pouvoir briser une game. Là, je sors lui avec deux, trois créatures, je révèle ça sur le top. J'ai une attaque à Trample 8-9, c'est extrêmement puissant. Lui encore plus, parce qu'avec ses compteurs, les compteurs vont s'ajouter à ce que ça copie avec le Deceiver. Ça, je vais les sortir pour pas mélanger dans mon compte. Donc là, j'ai 22 cartes présentement. Je pense que cette land-là va rentrer juste parce que ça améliore le Wanderer. Puis je vais peut-être même mettre une île pour faire en sorte que l'Evolving Wilds me donne toutes les options. Ensuite de ça, Corpse Churn pourrait être une carte de plus. Pourrait être ajoutée. Alter's Reap Seeker, non. Vines. Vines est une carte que je peux considérer. Le reste, c'est toutes des cartes de sideboard. Le Witness pourrait être une carte que je considère. Donc, est-ce que je veux 22 ou 23 land? Voyons. 17 ou 18 land. 22 ou 23 cartes et créatures que je voulais dire. C'est sûr que. J'ai deux gros sorts aussi. Trois more removal. Tar Snare, c'est pas génial. Dans le fond, c'est est-ce que je veux rentrer une de ces cartes-là ou une land? J'ai juste 2 minutes. C'est un fast build. Je pense que non, je vais la garder pour le sideboard. Pour le sideboard. Pour le sideboard. Ok, on va y aller avec 18 land. Donc, Combine Groups. Sort by Color. Alors, j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 12. Définitivement, beaucoup plus de noir. Je vais rentrer mes lands. On va voir qu'est-ce qu'il me suggère. Il me reste juste 1 minute et demie. Il me suggère 8, 5, qui me ferait 8, 9, 10,
11, 12 sources potentielles de noir, 5, 6, 7, 8 de vert. Oui. Mais je pense que je vais réduire un ici pour avoir une bleue. Evolving, ça me coûte pas cher pour avoir le potentiel de monter le Woodland Wanderer. Ça fait rien d'autre, absolument rien d'autre. J'ai aucun double cast sauf lui. C'est mes deux coups les plus difficiles. Je pense que le deck comme ça. Converted Mana Cost. Et voici mon deck. En espérant que ce soit bon. Alors, je vous revois en rondeur.